Alors, le déclic de mon engagement en tant que porte-voix, enfin, je dois quand même contextualiser, c'est-à-dire que mon association est quand même très en lien avec Ville au Carré. J'ai tout récemment, en fait, dès mon entrée au sein de l'asso, fait rencontre avec Ville au Carré et donc avec le projet, de la région autour des portes de voix. Mais autrement, sinon, mon engagement, il démarre plutôt auprès du conseil citoyen et donc en lien aussi avec des habitants du quartier du Sanitas. Et donc je citerai Mina Azi, avec qui on a pas mal échangé et notamment voyagé dans le cadre des portes de voix. Je pense que ce qui me motive aussi aujourd'hui, moi en tout cas au quotidien, c'est de me dire que en se réalisant soi, on peut motiver aussi les autres. Donc voilà, ça questionne, se dire qu'est-ce que je dois travailler sur moi pour évoluer et pour vraiment être toujours porteur de dynamisme en fait. Je pense que ce qui me révolte le plus, c'est le déni. C'est aussi ce qui pousse les acteurs associatifs à réagir. Lorsqu'on estime que des liens sociaux sont détériorés, etc., on le sent. Je dirais que chacun a sa sensibilité, mais on arrive à un moment donné à cerner des fois ce qui ne fonctionne pas en société. Moi, ce qui me révolte par un moment, c'est le déni. Je pense qu'une expérience que j'oublierai jamais, qui justement m'a motivée à m'engager dans l'associatif, à devenir artiste et à faire la formation que je fais, c'est le festival Gris-Gris Pixel. C'était en Espagne, c'était 2 semaines. C'est comme une grosse masterclass où en fait l'idée de ce festival, c'est d'inviter des artistes africains à venir dans une ville dite du Nord ou dans un voilà, et d'apporter leur expertise et en fait ensemble avec des collaborateurs européens international, parce qu'il y avait des Libanais, enfin, c'était vraiment un festival international. Et l'idée, en fait, c'est d'aborder des problématiques sociales, mais d'un point de vue artistique. Et donc, plein de compétences qui sont mélangées et tout. Et donc, moi, je suis allée, j'avais, je crois, 22 ans. Et ça m'a vraiment choquée. On ne parle pas du tout la même langue. Enfin, on parlait des fois français, anglais, espagnol, mais on arrivait, en fait, à communiquer, à créer ensemble. On arrivait à parler de sujets complexes ensemble et à travers les conférences, parce qu'il y avait des ateliers plutôt l'après-midi, le matin c'était assez free, mais la deuxième semaine c'était plutôt des ateliers, mais la première c'était plutôt des conférences, des tables rondes, etc. Et durant ces temps-là, on se rendait compte que ces problématiques qui nous touchent, elles sont vraiment universelles. On est parti justement avec Ville au Carré, on a réalisé une web TV. Donc je suis assez fière de cette expérience-là. On l'a faite en une journée. En une journée, on a monté la web TV, on a réparti les animateurs, enfin on s'est réparti les tâches et on a ensuite fait l'émission. J'ai pu faire de l'animation, mener ce petit temps d'émission et interviewer le président de la région, François Bonneau, etc. Donc c'était une expérience assez marrante et dont je suis fière. Alors je me sens vraiment utile quand je fais les choses bien. Voilà. Quand il y a une demande, une commande et que j'arrive à la satisfaire, je me sens utile comme ça. Ou alors je me sens utile quand j'arrive à, vu que je suis artiste à côté, quand j'arrive à créer, composer, produire en fait quelque chose qui soit parlant. Donc voilà, vu que c'est quelque chose pour lequel je ne ressens pas trop de difficultés à le faire, quand j'arrive à le faire et que ça plaît, on va dire que je me sens utile. Voilà. Alors, une personne vraiment spéciale, je vais citer Pépiang. Donc Pépiang, c'est un
réalisateur de films. Enfin, il est à l'origine de l'asso Prod Cité et justement de l'émission Wanted TV, l'émission spéciale pour les jeunes de l'agglomération Tourangelle. Et donc voilà, Pépiang, c'est une personne qui m'inspire beaucoup parce que c'est une personne qui se mobilise pour les jeunes, qui veut vraiment leur donner leur chance et qui s'implique vraiment. Je pense que c'est une personne qui est déjà impliquée et très qui a une vision aussi, un idéal de société et qui le transmet et qui n'a pas peur du débat avec les jeunes. Voilà, les questions qu'on va lui poser, il va y les prendre et on va rebondir là-dessus, on va discuter et je trouve que ça c'est hyper important. Peut-être le regret, c'est de ne pas avoir réussi à mobiliser beaucoup de jeunes. Parce que donc moi, j'ai participé au conseil citoyen de mon quartier, donc le quartier du Sanitas. Et c'est vrai que donc à un moment donné, vu que j'étais dans un autre projet autour de qui s'appelle le DST, donc c'est dialogue structuré territorial, donc qui mêle. En fait, on est en lien avec des élus. Et l'idée, c'est de co-construire un projet avec des élus. Donc du coup, moi, en fait, de ce groupe-là, j'ai voulu rassembler des jeunes, enfin les motiver à venir au Conseil citoyen. Donc j'ai réussi une fois. Sauf que moi, mon regret, c'est de ne pas avoir... je ne sais pas si c'est vraiment de mon fait, mais après, c'est vrai que moi, j'étais pas très à l'aise avec notre présence, en fait, dans cette instance-là, parce qu'on n'était pas assez entendus, pas assez écoutés. C'est un espace, même si c'est un jugement hâtif, on va dire, mais quand même, c'est un espace où nous, en tant que jeunes, on n'est pas légitime à vraiment l'ouvrir, quoi. Donc voilà, mon regret, c'est peut-être le fait de ne pas avoir assez, installer une certaine forme de remise en question dans cette instance pour que lorsque d'autres jeunes viennent, je dise « Ah ouais, on a notre parole ». Donc voilà, après, je ne porte pas tout ça sur mon dos. Je me dis c'est le fonctionnement et que moi j'étais aussi beaucoup à l'écoute, donc je pouvais pas non plus m'imposer. Mon idéal, on va dire, ça serait que ça se connecte. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, que les porte-voix de différentes régions se rencontrent, on va dire plus souvent, ou alors que les porte-voix puissent aller en milieu scolaire expliquer ce qu'ils font. En fait, voilà, que ça s'entremêle, en fait. C'est-à-dire que même à l'échelle nationale, on a la coordination passe en nous, et bien que les porte-voix aient aussi qu'ils aient possibilité de témoigner de leur expérience dans ces événements-là. Donc voilà, je pense que mon idéal, c'est peut-être pas forcément que de mon statut à moi, qu'il y ait plus de valorisation de ces actions, et qu'elle soit entendue au-delà des frontières, en fait, qu'on faire connaître la démarche. Ah, mieux tard que jamais. Elle est connue, c'est vrai, donc c'est pas une surprise, mais quand même mieux tard que jamais. Parce que, en fait, comme je disais, l'engagement associatif, etc., ça prend du temps, et des fois, on est tenté quand même d'abandonner. Mais quand même, faut s'accrocher et se dire, même si ça arrive tard, mieux vaut que ça arrive quand même que jamais.